du matin, comment allez-vous, dis donc? J'espère que vous allez superbement bien. Pourquoi je dis ça chaque fois le matin? Moi je dis toujours coucou du matin. Ben là c'est coucou du matin, il est 8h bientôt, dans 4 minutes il va être 8h, je suis debout depuis 6h30. Et après j'allume mon portable, parce qu'en fait il faut savoir que quand je dors, j'éteins mon téléphone. Et là, ce matin, je joue, et qu'est-ce que je vois? 35 degrés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on attend 35 degrés. Je me suis dit, attends, c'est une blague honnête. Donc je descends, j'allume mon PC, je vais farfouiller sur Internet. Et là, effectivement, mon téléphone ne déconne pas, mais on attend bien 35 degrés aujourd'hui. Donc je suis descendu, j'ai ouvert partout, j'ai allumé les ventilos, allez, qu'on fait rentrer de l'air fraîche. Et puis là, je suis en train de faire mon petit ménage. Je viens de terminer la vidéo, de visionner la vidéo de Nani. Nani, l'atelier de Nani. Voilà, je crois que c'est ça le truc. Mais moi, je l'appelle Nani. Donc, et en plus, c'est même pas son prénom. Enfin, bref. Et j'étais attristée par sa vidéo. J'étais attristée par ce qui se passe sur YouTube. Je sais pas du tout ce qui se passe. C'est ça le pire. C'est que je sais pas et j'ai pas envie de savoir. Je sais qu'il y a des histoires entre YouTubeuses. Ça, je sais très bien. Ça existe comme partout, comme la vie réelle, ça existe. Le seul souci, c'est que quand je vois Nani, comment elle est touchée, comment les gens ils peuvent être touchés, je ne connais pas l'histoire, je ne rentre pas et je ne prends pas la défense ni de l'une ni de l'autre. Moi, c'est juste que quand je vois une personne attristée, ça me fait pas du bien. Hein. De toute façon, ça fait du bien à personne. Donc, je suis attristée de la voir comme ça. Je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas avec qui elle a eu ce genre de soucis. Mais voilà, après j'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui pardonne facilement. Nani a reconnu ce qu'elle a fait, blabla. Et puis moi j'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui pardonne facilement, mais je suis assez intelligent pour savoir qu'on n'a qu'une seule vie. Et que cette vie, il faut la vivre du mieux qu'on peut. Alors déjà qu'à la maison c'est galère, hein, la vie de famille, la vie de couple, tout traitant de la vie, c'est chiant des fois. Mais bon. Là, j'ai même plus de voix, quoi. Je commence à plus avoir de voix. Enfin, bref. Là, ce matin, je vais faire mon ménage. Donc là, je suis en train de passer la serpillière dans la cuisine. Enfin, je m'occupe de ma cuisine. Je n'aime pas ma cuisine. Je n'aime pas parce qu'elle est toute petite. En fait, on vit dans une location. Voilà. Bref. Je ne l'aime pas. Et je m'en occupe rarement parce que je ne l'aime pas. Et puis, voilà. Et puis, aujourd'hui, il faut le faire. Donc, il faut le faire. Moi, je vais passer la serpillière. Je vais vous faire montrer le produit que j'utilise. Alors, j'utilise celui-là, c'est du Carolin aux huiles essentielles. Et sans déconner, ça sent trop trop bon, ça. Ça sent trop trop bon. Alors, nettoie, fais briller et respecte les surfaces. Alors, normalement, ça doit être un truc pour les surfaces. Mais vu qu'ils disent multi-surface, ben moi, j'utilise pour les sols. Je ne sais même pas si c'est bon pour les sols, j'ai jamais lu. Mais ça sent tellement trop bon, quoi. Bref, moi, j'utilise pour les sols. Même si c'est pas fait pour. Donc aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée parce que j'ai l'impression que ma peau, elle a besoin d'être entretenue. En plus, j'ai une envie folle d'aller chez l'esthéticienne. Ça fait plus d'un mois que je n'y vais plus. Ben, pour des raisons économiques, hein. Pour des raisons financières, je n'y vais plus. Et ça me manque parce que je ne sais pas m'épiler. Je ne sais pas. Enfin bref. Je vous raconte tout et n'importe quoi en peu de temps. Donc nous, on va se retrouver après mon ménage. Allez, à de suite. Allez, ça y est, on est reparti. Kylian, tu vas me laisser ce pistolet large? C'est pistolet, il a dit. C'est pas pistolage, c'est pistolet. Donc, il est quelle heure? Punaise, c'est 10h20. Donc, aujourd'hui, j'avais prévu de ranger les chaussures avec les enfants. Ranger les chaussures avec les enfants. En fait, c'est plus trier parce que, bon, sans déconner, la rentrée, elle arrive à grands pas quand même. Hein. Je sais pas si on voit les choses pareil, mais la rentrée, on la voit bientôt. Donc aujourd'hui, c'est prévu ranger les chaussures. Tu veux parler avec les copinettes? Oui, toi tu veux, allez. Bonjour Kylian. Bonjour. Ça va? Oui. Et toi Bémiti, est-ce que ça va? Oui, on va ranger les chaussures. On va ranger les... Les chaussures, c'est parti. Eh oui, allez, vous mettez toutes les chaussures. Rémiti, s'il te plaît, t'es en train de faire du bruit, c'est pas bien. Toutes les chaussures, vous allez déposer au sol, sur le tapis. Et c'est parti. Donc là, c'est mon entrée. Là, c'est mon seul coin make-up. C'est un tout petit coin qui est à l'entrée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. C'est un coin make-up qui est juste à l'entrée.
Donc là, toutes les chaussures, elles vont être triées. Ensuite, on va emmener ben, à la benne. Hein. Enfin, à la benne, non, c'est pour, c'est pour donner. Donc voilà. Allez, on enlève tout, 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 parce qu'en fait, ce sont des chaussures qu'ils ont depuis plus d'un an. Ah oui, mais il n'y a rien à voir. Donc tu enlèves tout, chaussures, chaussettes et tout. Tralala. Allez, c'est parti, maman. Moi, j'enlève les chaussettes. Kiki. Un petit coucou allez aux copinettes. Mais Vemti, arrête de faire ça. Bon, alors ça y est, on a rangé leurs chaussures. Donc rangé, trié surtout. Donc tout ce qui est à vendre et donner, c'est là-dedans. Et sinon, c'est là. Et ça, c'est une chaussure orpheline. Donc Vemti doit aller la chercher. Parce qu'on ne sait pas où elle est. Pousse-toi, Kylian, merci, tu peux retourner dans le salon. Donc là, ce sont leurs chaussettes. J'ai une façon des pieds qui est bien, quoi, en fait. Bref, donc voilà, leurs chaussures rangées jusqu'au prochain foutoir, quoi. Voilà. Vemti, Kylian, non. Vemti, tu vas mettre des chaussures, parce qu'on va sortir, tu prends les roses comme un Kylian, là. Parce que maman, elle va aller étendre le linge. Ouais, c'est l'heure. Enfin, c'est l'heure, non. Je dois aller étendre le linge. Je vais profiter avant que les 35 degrés arrivent. Mais ça m'embête qu'il y aura ces températures-là. Donc nous, on va aller étendre le linge. Et après, pour le repas, il est quelle heure? Il est 11h moins 20. Pour le repas, c'est déjà fait. Donc ça va être les restes d'hier soir. J'ai qu'à faire du riz. Mon mari aimerait bien manger la salade de riz. La salade de pommes de terre qu'on a fait hier avec du riz. Riz, pommes de terre, mélangées. Voilà. Donc voilà. Alors nous, on va sortir. Je ne sais pas si je vais vous embarquer avec moi parce que je ne sais pas comment je vais vous poser. Dis donc. Mais je vais faire quand même parce que je vous aime. Allez, à de suite. Il est 5h, alors 17h30. Oula, Mike, oh punaise. Non, c'est Mickey qui conduit. Oh, purée. Donc en fait, on va direction Leclerc. On va aller déposer ses vêtements au pressing, les vêtements de Michael. Et après, on va faire un petit tour. Par contre, il fait 35 degrés dehors. C'est pour ça qu'en fait, je vous pose pas. Parce que sinon, vous allez avoir tout le bruit de la clim. On a fait quoi cet après-midi? On a fait une petite sieste. Alors, j'ai fait une petite sieste. On a mangé... Ben, le reste d'hier, en fait, c'était une salade de pommes de terre. On a fait ça. On a fait ça. Bon, moi, je vous retrouve à Leclerc. Et puis, on verra ce qu'on va faire là-bas, dis donc. Allez, à de suite. Non, on prend pas les pièces. On va juste au pressing. Pour l'ascenseur des pièces. Il n'y a pas d'ascenseur. On vient d'arriver à Leclerc. Et non, Vemti, tu touches pas. Ça, c'est. J'aime bien les trucs devant les magasins comme ça. Allez, bonjour. Allez, avancez, papa. On sort de Leclerc, mais mon Dieu. Pouah, la chaleur. Kylian, tu viens tenir ma main, s'il te plaît. Il fait chaud, la chaleur. Donc là, on est proche de Lyon. Donc Lyon, normalement, c'était
37. Chez nous, c'est 35. Et quand on est venu, c'était sur la route, c'était 36 degrés. Donc là, il fait lourd, super lourd. On a trouvé des chaussures pour les jumeaux. Avec semelles blanches. Allez, tu montes. Donc là, les enfants, ils sont en train de monter. Et on a pris de quoi dîner ce soir. Parce que vu que j'avais pas prévu cette chaleur-là aujourd'hui, on va manger un petit sandwich. Parce qu'on a du pain, donc on va manger ça. Alors, comme ça, moi, je vais monter dans la voiture, à la clim. J'étais à la radio. Et là, on va pas aller sur l'autoroute. En fait, on va rentrer par la nationale. Ça ? Nationale, départementale. Vous avez les chaussures dans vos mains, les enfants ? Je vais voir un coup. Voilà. Donc en fait, c'est sur ce genre de chaussures qu'on a pris. En fait, dans leur école, il faut des semelles blanches, donc on a pris ça. C'est quoi, c'est quoi ? Ah, mais tu peux y aller. Mickaël, il demande quand on peut y aller. Alors s'il attend que je finisse la vidéo. Donc, ce genre de chaussures-là, à semelles blanches, en fait, je pense que c'est juste pour ne pas abîmer le sol. Papa, il conduit, oui. Et puis Kylian, c'est pareil, mais noir. Allez, tiens. Allez, c'est parti, mon kiki, on rentre à la maison. De toute façon, il y a quoi d'autre à dire? Rien, finalement. Elle sait même pas que c'est à nous la priorité, mais bon. Il y a des gens comme ça, qui savent pas. Donc nous, on va se rentrer à la maison. Il n'y a rien de prévu parce qu'en plus avec cette chaleur là je peux pas fumer à la maison parce que tout est fermé, donc on est dans le noir et avec le téléphone la qualité de l'image, déjà rien qu'avec la lumière c'est un peu cacahuète, mais en plus dans la maison s'il fait noir c'est pire que cacahuète quoi, c'est genre beurre de cacahuète. Le truc, ah purée. Mais par contre j'ai chaud, j'ai hâte que la clim elle remplisse l'habitacle. C'est quoi ça? Magasin bio. Ah, voiture. Ah oui, là, c'est les horaires où il y a plein de voitures. Oui. T'as fait tomber ta chaussure, c'est pas grave, chérie. Vas-y. Ouais, mais bon, après, les gens, ils n'ont pas... Enfin, bref. Donc nous, on va rentrer à la maison et puis nous, on va se retrouver demain. Alors demain, normalement, on devrait ranger le jardin. En fait, on devrait tout enlever, tout ce qui nous gêne. Oui, on va manger après. Ouais, déjà 6h30, dis donc. Donc moi, ce soir, en même temps que mon émission, je vais devoir monter cette vidéo. Donc voilà. Demain on doit aménager le jardin, demain matin, demain après-midi après la sieste des enfants on va sûrement les emmener quelque part, on verra, ça dépendra, mais je sais même pas c'est quoi les températures pour demain, il me semble que ça baisse un peu, il me semble que c'est 29, parce que là le coup des 37 ce matin, 35 j'ai vu sur mon téléphone, vas-y quoi, j'ai eu peur un peu de la température et j'ai bien fait d'avoir regardé. Donc nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà quoi. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et puis on se retrouve demain. Bye bye.